La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Quel est le rôle de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et quelles sont les avancées majeures enregistrées par la justice guinéenne depuis que le pays dispose d'un code pénal et d'un code de procédure pénale? Pour en parler, je reçois pour vous Cheikh Sako, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, bienvenue. Monsieur le ministre d'État, notre pays préside cette année aux destinées de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, une institution peu ou mal connue. Quel est son rôle et quel a été l'apport spécifique de notre pays depuis que nous sommes à la tête? Écoutez, l'OADA, donc l'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et il faut que je le précise, la Guinée est membre fondateur de cette organisation depuis le début. Le traité originel à Saint-Louis, le traité dérivé ensuite à Montréal, ou le contraire. Et la Guinée a toujours été là. Alors malheureusement, notre pays, il y a eu des périodes d'absence. Je pense que de 2005 à 2007-2008, on a été absent. On est venu un peu en 2008 sous le gouvernement Soaré, donc le dernier gouvernement du président Conté. Et après, on a été absent également. Et en 2010, quand le professeur Alpha Condé a été élu, en décembre 2010, mon prédécesseur a été quand même aux réunions, après c'était le secrétaire général. Et donc la Guinée a une présence inconstante. Ça fait que effectivement, bien qu'étant membre fondateur de cette organisation, on était quand même à la lisière de l'organisation. La preuve, la Guinée ne l'a jamais présidée. Ça c'est un, et puis on n'était pas à jour de nos cotisations également. Donc il y avait beaucoup de retard qu'il fallait remédier. Quand j'ai été nommé en janvier 2014, le président de la République, trois jours après, me demandait d'aller à Ouaga, à la réunion ministérielle de l'OADA. Donc j'ai débarqué fin janvier, je ne connaissais quasiment personne, et j'ai vu la place que la Guinée devrait avoir et qui n'avait pas eu. Et finalement, bon, les collègues, puisqu'il y a 17 ministres de la Justice et 17 ministres des Finances, il y a souvent un ou deux qui sont absents, donc il y avait quand même une vingtaine de ministres. Et ils ont décidé à l'unanimité que la Guinée rentrait dans le bureau pour être deuxième rapporteur. Donc on était en 2014, deuxième rapporteur. Le Cameroun prenait la présidence. Donc pendant l'année, la présidence du Cameroun était deuxième rapporteur. L'année suivante, en 2015, on était premier rapporteur en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui présidait. Et l'année dernière, en 2016, c'est le Congo qui présidait, on était vice-président. Donc naturellement, cette année, on préside l'OADA. Alors, il y aura deux ou trois réunions ministérielles. La première, ça va être début juin, bientôt. La seconde, en octobre, et vraisemblablement un dernier, en janvier. Voilà, donc on va assumer le rôle qui est le nôtre. Et on va profiter de cette présidence pour faire beaucoup de formations en Guinée, liés au droit commercial, liés aux problématiques de l'arbitrage, liés à tout ce qui touche le cadre des investissements. Monsieur le ministre, depuis que vous dirigez ce département, vous avez mis un point d'honneur à renforcer et mettre en place les bases d'une justice républicaine et impartiale. Avec un peu de recul, quel regard portez-vous sur ces premiers acquis? Écoutez, je ne vais pas vous retracer tout ce qui a été fait comme réforme depuis 3 ans. Et 4 mois maintenant. Mais ce qui est important surtout, tout à fait au départ, les 6 premiers mois, c'était les organes qu'on a mis sur pied,
sur place. Hein, le statut particulier des magistrats, c'est-à-dire qu'il fallait sortir les magistrats de la fonction publique, qu'ils aient un statut particulier comme les autres magistrats dans la sous-région, comme en France également. Et ensuite, il y a eu le Conseil supérieur de la magistrature, l'organe disciplinaire. Ça aussi, c'est important. Il y a eu le tribunal militaire, il y a eu la Cour constitutionnelle, il y a eu la Commission nationale WADA. Donc, il y a eu quand même pas mal de réformes majeures qu'il fallait faire tout de suite, assez rapidement, pour pouvoir dégager quand même une vue d'ensemble sur la problématique, la lutte contre l'impunité. Donc, la formation des magistrats, la formation des OPJ. Et depuis que je suis là, effectivement, non seulement on fait des formations sur place, on fait venir des formateurs de l'étranger, mais également les magistrats guinéens. Quasiment tous les mois, il y a des magistrats qui partent en formation, soit dans la sous-région, soit à l'étranger, en France et aux États-Unis. Monsieur le ministre, récemment, lors du séminaire gouvernemental, vous aviez dénoncé une situation de corruption généralisée de l'appareil d'État, des violences répétées dans notre société et une propension de nos populations à se faire justice elles-mêmes. Que fait concrètement le département de la justice pour circonscrire ces phénomènes ? Écoutez, la situation de notre pays vient de loin, parce que la justice ne peut pas tout régler dans ce pays. Ça, il faut quand même le dire. La justice joue sa partition, joue son rôle. Alors, sur le phénomène la vindicte populaire, ça c'est quand même un phénomène que je dirais nouveau, entre guillemets, en Guinée. Et moi je suis né, j'ai grandi ici avant de partir. Et sous la Première République, on ne connaissait pas ça. Même au début de la Seconde République, c'est au milieu ou à la fin de la Deuxième République qu'on a commencé à connaître ça. Et puis là, ce phénomène est apparu, hein, subrepticement, depuis quelque temps. On a eu quelques exemples à Siguirin, à Kouroussa, à Yomou. Et la justice joue son rôle par rapport à ça. C'est-à-dire, quiconque sera arrêté dans un mouvement de masse de violence, ben, la loi passera. Ça, c'est très, c'est indiscutable. Sur ce plan-là, M. le Président de la République, d'ailleurs, a été assez clair là-dessus, en disant qu'il condamnait fermement les violences collectives ou de masse, souvent dirigées soit sur des personnes physiques, soit sur des biens, ce n'est pas acceptable. Et actuellement, tous ceux qui ont fait ça à Siguirin sont actuellement en prison. Je crois qu'ils même ont été jugés. Ceux de Kissidougou vont être jugés bientôt et ceux de Yomou sont également détenus. Donc il faut qu'on sache en Guinée qu'il y aura tolérance zéro à ce niveau-là. On ne peut pas accepter une situation de violence volontaire et générée ou créée par des citoyens et du pays. Désormais, Monsieur le ministre, la Guinée dispose d'un code pénal et d'un code de procédure pénale. Pensez-vous que cela facilitera l'accès aux droits et à la justice de nos concitoyens et par ricochet participer à rétablir la confiance avec les institutions judiciaires? Écoutez, donc l'année dernière, j'avais proposé quatre codes, donc quatre lois distinctes. Il y avait donc le code pénal, le code procédure pénale, le code civil, le code justice militaire. Malheureusement, le programme de l'Assemblée nationale était assez serré. On n'a pas pu programmer les deux autres codes, le civil et la justice militaire, qui passeront dans deux semaines ou dans un mois, ce qu'on espère cette année. En revanche, l'année dernière, les deux premiers codes ont été adoptés, le code pénal, le code procédure pénale, ce qui est une avancée majeure dans notre pays. D'ailleurs, j'ai remercié à plusieurs reprises nos députés de la République. Alors, ce code, il faut savoir que dans les pays de tradition juridique latine, les pays donc francophones, de façon cyclique, il y a des réformes sur les codes majeurs, en gros tous les 5 à 10 ans. Un pays où il n'y a pas de réforme, puisque la société évolue, les pratiques individuelles évoluent, il faut absolument que la législation en matière judiciaire soit en conformité avec l'évolution de la société. Alors nous on était un peu en retard par rapport à ça. Une commission a travaillé pendant 2 ou 3 ans sur ces codes. Une commission d'ailleurs qui était hétéroclite, il n'y avait pas que des magistrats, il y avait les gens de la société civile, il y avait des OPJ, il y avait les organisations de défense des droits de l'homme, il y avait les femmes aussi, et la société civile représentée par les femmes, notamment concernant le code civil. Et pour revenir sur le code pénal, il y a beaucoup d'avancées dans le code pénal, le code procédure pénale. Par exemple, on a supprimé les cours d'assises, parce que les cours d'assises, non seulement c'était cher, mais en plus, il y avait tellement de retard dans les affaires criminelles dans notre pays. Vous avez des gens qui étaient en préventif et qui attendaient entre 3 ans et 7 ans
pour la grande majorité des gens. Et les plus anciens atteignaient 10 ou 11 ans. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est vraiment, vraiment pas acceptable. Alors, il y avait deux solutions. Soit on continuait à gérer le flux comme ça, soit on trouvait d'autres formules. Donc, une des raisons, effectivement, de la suppression de la cour d'assises, c'est cela, c'est de permettre aux tribunaux de première instance d'être compétents en matière criminelle. La compétence a été transférée à ces tribunaux-là. Ça permet à ces tribunaux de siéger une fois par semaine, une fois par mois, selon les cas. Et ça permet aussi, et ça c'est important, de rapprocher le citoyen à la justice. J'étais à Bokeh le week-end dernier. On a bien vu que j'ai ouvert les audiences criminelles, ce qui fait qu'ils avaient à peu près une trentaine d'affaires, mais ils avaient audiencé 6 affaires. Donc toutes les semaines, il va y avoir une audience criminelle. Au bout de 3 ou 4 mois, ils vont complètement évacuer les 30 dossiers qu'ils ont. Alors que si on était dans le cadre d'une cour d'assises, d'abord, il fallait qu'ils attendent un an, pour ne pas dire plusieurs années. Donc ça, c'est une avancée majeure. Mais dans le même code pénal, effectivement, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu on a accentué tout ce qui est forme de violence contre le genre. Les violences contre les femmes, vous savez, c'est récurrent chez nous, ça il faut le dire, infrafamilial, mais aussi en dehors de la famille. Et les violences contre les personnes vulnérables, ça aussi, ça a été accentué. On a criminalisé la torture, ça aussi, il faut le dire. On a criminalisé la torture, et donc il y a des pans d'avancée de droit dans le code pénal, le code procédure pénale qui est vraiment appréciable. Je vous invite à présent, Monsieur le ministre, à suivre cette immersion qui nous a conduit à Bokeh, au cœur de l'inauguration du nouveau palais de justice, mais également du lancement officiel des audiences criminelles de la région. Vous avez le bureau de monsieur le procureur, le bureau que vous voyez, les toilettes derrière. Voilà. C'est madame Catherine Tunkara qui est là, substitut du procureur. Parce qu'il doit. Voilà. Il ne doit pas être plus loin du procureur, parce qu'il aura toujours besoin d'eux. Et eux aussi ont toujours besoin du procureur pour lui rendre compte de ce qui se passe. Merci. Ici, c'est le second substitut. C'est un deuxième substitut. Oui. Là où le public attend. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une salle d'attente, quoi. Oui, on va mettre des bancs. C'est le secrétariat. Il a déjà ses effets là-dedans. Ici, c'est le premier juge d'instruction, madame Camara. Voilà. Bon, le troisième cabinet d'instruction. Voilà. Merci. Bon. En effet, c'est les mêmes bureaux comme au rez-de-chaussée. Vous voyez ces bureaux ici? Voilà. Nous avons le bureau de monsieur le greffier en chef. Oui, c'est lui qui est là comme ça. Monsieur Surba Keita. Oui, c'est la deuxième salle d'audience. Oui. Voilà. Excellent, c'est des bancs lourds, je vous assure. Il n'a fait aucune politique. Vraiment. Oui. Ça, c'est le bureau des avocats de la partie civile. Là-bas, c'est les avocats de la défense. Voilà. Bon, c'est la même chose.
C'est la salle de délibération. Monsieur l'inspecteur, c'est la salle de délibération. C'est-à-dire les magistrats s'installent ici avant de monter. Quand ils finissent les débats, ils se retrouvent pour délibérer. La tradition, c'est que effectivement, le bureau du président est contigu à la salle d'audience. À défaut, il faut qu'il y ait. Non, comme ça. Voilà, c'est un secrétariat. Voilà. Un secrétariat, un bureau et les toilettes. Oui. Et votre petit salon ici, votre bureau. C'est ça. Oui. À l'étage, et en face. Voilà. C'est un peu comme l'œil du cyclone. C'est le bureau du juge. Voilà. C'est un juge. Ah, oui. Ouais. Là aussi, on va vous l'aménager. Hein. Voilà. Le plus important, c'était d'occuper physiquement les lieux. Vous avez le juge, M. Mohamed Silla, okay, ouais. Un juge du siège de Bokeh. Voilà. Là aussi, on va l'aménager. Hein. Bon. Merci. En résumé, c'est ce qu'on devait présenter à son Excellence, M. le ministre d'État en charge de la justice. C'est l'occasion pour nous de remercier les autorités à tous les niveaux de la région administrative de Bokeh pour leur soutien à l'accomplissement de notre mission. Au nom de tous, remercions vous et votre cabinet, Monsieur le ministre, pour les efforts consentis dans le cadre de la réformation du secteur de la justice. Je ne saurais terminer mon intervention sans rendre un hommage mérité à la presse. J'invite le personnel en place, ainsi que les autres acteurs de la justice. Je veux citer les greffiers, les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires priseurs, les officiers de police judiciaire, tout corps confondu, et autres à une sincère dynamique et loyale collaboration en vue de rétablir l'ordre, la discipline et la quiétude dans la cité. Conformément aux articles 378, 379 et 380 du Code de procédure pénale, je déclare ouvertes les audiences du criminel de première instance de Bokeh. On a terminé la visite de Bokeh en rencontrant les citoyens de la ville, les entrepreneurs aussi, les travailleurs de la ville, les jeunes, les femmes, les sages également. J'ai essayé de faire passer le message du gouvernement, le message de Monsieur le Président de la République, pour que tout le monde sache que, quelles que soient les difficultés qu'on a, on est en train de construire un état de droit dans ce pays. On a visité la prison de Bokeh en partant de Bokeh, effectivement. Là-bas aussi, il y a quelques difficultés, il y a pas mal de difficultés, comme dans d'autres prisons de Guinée. Mais c'est important que le garde des Sceaux voit de visu les problèmes qu'on a dans les prisons. Cap à présent, Monsieur le ministre, sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace offert aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Nous partons sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Seydou Adams Keita vous pose cette question. Qu'en est-il de la poursuite des cadres auteurs de détournement des deniers publics? Écoutez, moi j'ai donné des instructions au niveau du parquet général. J'ai dit, je le répète, personne n'est protégé dans notre pays. Tous ceux qui commettent des infractions, y compris des infractions donc d'ordre financier, de détournement ou autre. Et vous avez beaucoup de cadres actuellement qui sont inculpés. Certains sont en prison. Hélas, pas beaucoup. Vous voyez que je dis ce que je pense. Donc la corruption est généralisée dans notre pays. Ça ne veut pas dire que le gouvernement actuel ne lutte pas contre la corruption. Monsieur le Président de la République a été clair là-dessus. Mais comme c'est un phénomène généralisé dans notre pays, ça va prendre du temps. Parce que l'être humain qui est corrompu, ça existe dans tous les pays, il n'y a pas que la Guinée. Simplement chez nous, ça a pris une ampleur assez importante. Donc la loi est assez claire là-dessus, le code est assez clair là-dessus. Donc on a aussi la CENTIF. Quand la CENTIF fait une enquête sur un citoyen, et quand ensuite le procureur le Dixine est saisi, moi en tant que chef du parquet de ce pays, je suis informé, et quelles que soient les personnes, je dis vous les poursuivez. Donc les personnes sont auditionnés par un magistrat instructeur, sont inculpés. Hein, et je pense qu'il y a très peu en prison, en détention préventive, parce qu'on leur demande de rembourser, de commencer à rembourser, mais l'infraction demeure. Et donc je vous rassure là-dessus, il y a une lutte contre la corruption dans notre pays. Et actuellement, on est en train de finaliser la loi contre la corruption,
que j'espère présenter pendant cette session des lois. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de Aboubacar Condé qui vous pose cette question. Bonjour monsieur le ministre, je suis Aboubacar Condé, journaliste, directeur général de la radio 7 sur 7 FM. Où sommes-nous par rapport à la création annoncée de la Haute Cour de justice? Merci monsieur le journaliste pour votre question. La Haute Cour de justice, la République. Donc, je vous rassure monsieur le journaliste, c'est la dernière institution qui reste chez nous. Vous savez, même pour le tribunal militaire, ça n'a pas été facile. On est lancé dans une course de fond. On ne peut pas faire l'économie que cette institution, dernière institution, ne soit pas créée. Et lors de l'ouverture de la session des lois ou la session budgétaire en octobre, le ministre chargé de relations avec le Parlement en a parlé également. Donc, nous, on a une commission qui a travaillé là-dessus également. Mais comme vous connaissez la composition de cette dernière institution, c'est composé essentiellement de députés, hein, en fonction de leur représentativité. Donc, je pense que ça viendra et je vous rassure là-dessus. Monsieur le ministre, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen, il y a Makavelliché qui vous pose cette question. À quand la fin des travaux de construction de la nouvelle prison de Yéro-Koguia afin que la maison centrale de Conakry puisse être désengorgée? Voilà, écoutez, là, on est aussi dessus. Vous savez que les travaux ont démarré depuis plus d'un an et demi. Actuellement, on a quelques difficultés avec l'entrepreneur espagnol, puisque il faut que je rappelle quand même que cette prison est construite essentiellement sur les fonds espagnols. Parce qu'il faut aussi clarifier les choses dans notre pays. Hein. J'entends souvent des bruits, n'importe quoi. Alors, on est dans le cadre d'un PPP, hein, partenariat privé-public. Public, ministère de la Justice, privé, entreprise espagnole. Moi, j'ai trouvé ce projet-là. L'entreprise avait déjà été choisie et même la convention était déjà, tout était prêt. J'ai simplement analysé sur le plan juridique pour voir si l'État guinéen n'était pas lésé. Et effectivement, après analyse de ce dossier, de cette convention, on a vu que les intérêts de l'État étaient préservés. Et pour la simple raison que, comme l'État ne participait pas financièrement, on cédait les lieux de l'ancienne prison actuellement dans un bail de 65 ou 70 ans où il devait faire un centre commercial, un centre administratif, etc. Comme ça existe en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays. Donc il faut aussi qu'on avance sur ce plan. À partir du moment où c'était ficelé sur ce plan, mais on ne cédait l'ancienne prison que s'il livrait la nouvelle prison. Moi, à partir du moment où j'ai vu que les intérêts de l'État étaient préservés et tout, donc l'ancien ministre des Finances l'a signé, moi je l'ai signé, sous le contrôle des grands projets, donc tout était ficelé. Après, l'entrepreneur espagnol a commencé à travailler. Alors, je pense que l'entrepreneur espagnol a eu des problèmes avec ses banquiers, mais ça ne regarde pas. Il a eu des problèmes avec ses banquiers, et ce qui fait que les travaux sont arrêtés depuis un moment. Donc, nous, on a interrogé l'entreprise espagnole pour qu'il nous indique officiellement les difficultés faisant que les travaux sont arrêtés actuellement. Ça nous permet de trouver pas des remplaçants, mais en tout cas un autre moyen pour que les choses puissent continuer. Mais cette prison verra son jour dans notre pays. Monsieur le ministre, notre équipe est également allée à la rencontre de Morsiré Camara qui vous pose cette question. Bonjour monsieur le ministre, moi c'est Camara Morsiré, journaliste à la radio Nostalgie Guinée. Monsieur le ministre, ma question sur la justice est de savoir où en êtes-vous avec la disparition tragique de notre confrère Chérif Diallo et quelles sont les procédures ou les mesures que vous avez mises en place pour la sécurité en général des journalistes guinéens. Alors sur la disparition du journaliste en question, Chérif Diallo, j'ai déjà été interpellé sur cette question. Donc, j'avais dit à l'époque, je répète la même chose, il y a une procédure d'information qui est ouverte devant le tribunal de Dixin. Alors, quand il y a disparition, ça se passe comme ça partout dans tous les pays. Quand il y a disparition de personnes, on ouvre une information. Et donc, dans le cas d'espèce, c'est une information d'ordre criminel, effectivement. Et je pense que ça suit toujours son cours. Mais en matière de disparition, la procédure est assez longue, même très longue et tout, parce que le parquet travaille avec, effectivement, les OPJ. Un juge d'instruction est saisi. Et puis, ils sont à la gueule des informations qu'ils reçoivent, qu'ils exploitent, etc. et tout, en espérant qu'un fait du hasard puisse apporter des éléments de vérité. Hein, voilà. Moi-même,
dans une vie antérieure en tant qu'avocat, j'ai eu des dossiers où des gens disparus ont pu être retrouvés soit vivants, soit en tout cas malheureusement décédés plusieurs années après, alors que la procédure était en cours. Donc je rassure les journalistes, la justice suit ce dossier, ce n'est pas un dossier qui est négligé. J'ai déjà répété à la famille par le biais de leur avocat, nous continuerons à suivre ce dossier jusqu'au bout. Monsieur le ministre d'État, si vous deviez citer quelques priorités pour l'année en cours, quelles seraient-elles et pourquoi ? La priorité cette année, c'est surtout l'applicabilité, ce qu'on est en train de faire actuellement, des audiences criminelles dans les tribunaux de première instance, pour lutter justement contre l'impunité, pour lutter contre les cas de violence dans notre pays, pour lutter contre toute forme de choses inacceptables. Alors, j'étais à Bokeh ce week-end où, effectivement, j'ai ouvert l'audience criminelle, le tribunal de première instance de Bokeh, mais avant ça, Kindia avait commencé ses audiences criminelles, Mamou également, Mafanko, Kaloum ou d'autres pays, Zérékoré aussi, avec le procureur général de Kankan. Donc, vous voyez, et ça nous permettra vraiment d'avancer, parce qu'il est important que le citoyen guinéen sache que, un, il y a une justice dans ce pays et qui marche, contrairement à ce que disent certains mauvais oiseaux, mais ça c'est leur problème. Quand on est victime de la loi, quand on est victime de son voisin, où se plaindre? Vous allez vous plaindre à la justice et tout. Donc même si la justice est imparfaite, a des imperfections et tout, elle est là pour répondre à l'attente de la population. Je le rassure là-dessus. Monsieur le ministre, pour terminer, concernant le dossier dit du 28 septembre, où en est-on et quelles sont les prochaines étapes? Comme vous savez, une personne majeure a été extradée il n'y a pas très longtemps, il a été auditionné et ça continue. On va s'acheminer vers des confrontations qui seront organisées. Mais voyez-vous, je ne me mêle pas de la procédure, je reste simplement informé de ce qui se passe. Je suis là pour donner les moyens aux magistrats pour faciliter leur travail pour que cette affaire puisse aller assez rapidement. On espère aboutir dans les mois à venir, finir avec l'instruction pour entamer la préparation de ce procès qui, j'espère, aura lieu vers la fin de l'année. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous Cheikh Sako, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement guinéen, sur la web TV, les télévisions, les radios et sites partenaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.